c'est une bien triste nouvelle que nous apprenons ce 30 mars 2018. Selon l'AFP, Christophe Salengro, connu du grand public pour être « le président » de la Principauté de Groland dans l'émission humoristique de Canal, est décédé à l'âge de 64 ans. Cette figure emblématique de Groland, devenue culte grâce à son humour, c'est presque 2 mètres de haut et ses oreilles décollées, aux côtés de Jules-Édouard Moustique et de Francis Kunz, c'était aussi un danseur, notamment dans la troupe de Philippe de Coufflet, et un metteur en scène reconnu. Triste hasard du calendrier, c'est ce 14 avril 2018 que Canal avait décidé de programmer une soirée événement pour les 25 ans de Groland. Une soirée humoristique qui devrait désormais être teintée d'une grande émotion. La chaîne a d'ailleurs fait part de son « immense tristesse ». En tant qu'acteur, le public a pu le retrouver au cinéma dans des films tels que « Gardien de la nuit » de Jean-Pierre Limosin, « La cité des enfants perdus » de Jean-Pierre Jeunet, « Crédit pour tous » de Jean-Pierre Mocky ou encore « Vive Groland » de Gérard Courant. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.